Je vais parler d'abord un peu. Bonjour mesdames et messieurs, recevez ici le 11 Oscar Yves Armand de Bordeaux, oui. Le seul acteur culturel africain qui a pu glaner 11 Oscars au niveau du showbiz ici en Europe. Et ce matin, c'est mon coup de cœur. Mon coup de cœur était tout simplement de me réveiller à 6 h du matin, me procurer l'album Héritage, qui est l'autre album. Ouais, parce que c'est que la Côte va pas me laisser comme héritage. C'est ce que on aura à travers ce très bel album de Yodé et Siro sorti aujourd'hui, vendredi 3 juillet 2020. Et l'album est distribué ici en Europe par Job Production, de mon ami Amadou Scotti. Et tout à l'heure, je vous donnerai, et il sera vendu à la Fnac de la Défense et la Fnac de la Gare de l'Est. Et tout à l'heure, je vais vous donner les différents numéros des personnes que vous pouvez contacter si vous voulez procurer cet album dès aujourd'hui. Un album de belle facture, un album de 13 titres, un album chanté bien et fort. Voilà. Par Yodé et Siro, qui sont tout simplement des dinosaures de la musique zoulou en Côte d'Ivoire. Je suis habillé ce matin, vous reconnaissez ces couleurs, dans les couleurs de notre pays, la Côte d'Ivoire. Et ces gars-là, mine de rien, ils sont forts. Ouais. Parce que, au moins, ils ont osé dire haut et fort ce que d'autres pensaient bas. À part les artistes exilés, surtout les seuls qui ont pu chanter, qui ont pu vraiment toucher ce que bronze le pays, qui est notre pays, la Côte d'Ivoire. Et ils ne sont pas les premiers coups d'essai. Au temps de Bédié, ils ont chanté. Au temps de Guéï Robert, ils ont chanté. Sous la présence aussi de, et comment on appelle ça, Koudou Louane Gbagbo, ils ont chanté. Aujourd'hui, sous la présence de Monsieur Alassane Ouattara, ils ont osé aussi chanter. C'est-à-dire ils ont chanté haut et fort, là où certaines, au risque de me répéter, ne font même pas chanter. Tout en sachant qu'un artiste, c'est la voix du peuple. Voilà. Et dire haut et fort ce que le peuple pense bas, il faut le faire. Et ils ont osé le faire. Chapeau à vous, les gars, car vous êtes les meilleurs. Tout en sachant que jusqu'à la personne a osé le faire, ce que vous avez fait. Et c'est que tout le monde n'a pas osé faire. Et malgré que ce sont les artistes du peuple. Vraiment chapeau à Yodé et Siro. Et ensemble, nous allons déguster un titre de cet album de 13 titres. Un album de belle facture. Croyez-moi, l'album, il est fort. Oui. Si moi, Yves Armand de Bordeaux, je vous le dis, je suis tout simplement sûr. Comme tout à l'heure, je le disais, ils ont été les premiers, ils ont été les seuls à chanter. Mais c'est maintenant, d'autres vont se lever pour vous la chanter. Parce que ils se sont dit, bon, écoute, si je voyais les gens, on chantait, n'a rien eu, rien n'est arrivé, mais on va chanter. Mais là encore, c'est pas sûr. Je pense que le peuple est avec vous, les gars. Restez forts, on est ensemble. Écoutez un peu, Jodé et Siro. Inbox, mon Facebook, parce que vous êtes dessus. Sinon, c'est juste Yves Armand de Bordeaux et l'original, ouais, le père. Et en dehors de la Fnac, si vous voulez avoir l'album maintenant, je vais vous donner des numéros sur lesquels vous pouvez appeler. Et au niveau de, excusez-moi, donnez-moi une minute. Au niveau de Paris, vous avez monsieur, d'abord le niveau de Job Record, c'est le plus 336, 337. 60 75 21 96. Je reprends 07 66 75 21 87 et 96, pardon. Et sinon, vous avez Monsieur Kaba Mignon, vrai, de son nom de Facebook. C'est tout simplement le 06 19 97 56 32. Ça, c'est Paris. Et encore à Paris, vous avez Marius Douaoudé, bonsoir petit frère, qui est au 07 51
57 79 55. Au niveau de Londres, nous avons le grand manager, M. Bruno Janot, qui est salué d'ici, depuis ma position parisienne, qui est tout simplement au 0044 75 11 04 76 49. Maintenant, au niveau de Luxembourg, Merz, Paris, tout ça, machin, on a, bon, à Luxembourg, c'est au niveau de la Belgique. On a mon petit frère Gérardin Maï, à tout, ayo, Bouba, ok, qui est au 0035 26 21 59 20 et 65 à la fin. Au niveau de l'Italie, vous avez Claude Lodi et mon petit frère Marco Prada. Alors, le premier numéro au niveau de l'Italie est celui de Claude Lodi, 00 339 32 75 et 87 22 et 35. Et celui de Marco Prada est le 0039 36 61 31 13 75. Voici les numéros sur lesquels pouvez vous procurer maintenant votre CD Héritage au niveau de l'Europe. Sinon, simplement, je vous dis que l'album est très fort et encourageons nos artistes. Nous encourageons nos artistes. Nos artistes, c'est tout simplement aller vous procurer le CD. C'est mieux. Au moins, ça encourage l'artiste à pouvoir être inspiré parce que c'est à partir de là qu'il gagne sa puissance. Or, comme le disait Feu Foubani, le père de la nation, vente vide, n'a point d'oreille. Toi, tu as fait, on t'a dit quoi. Mais voilà. Donc, évitez que la tise ait faim. Procurez-vous tout simplement le CD Héritage, un CD de 13 titres chantés par les dinosaures de la musique ivoirienne, qui sont tout simplement Jodé et Siro. Croyez-moi, je jure devant Dieu et devant vous les hommes que l'album est très fort. Parole de Yves Armand de Bordeaux. Mais ceux qui me connaissent savent que je ne dis pas la vérité, je ne mens pas. Et ceux qui me connaissent savent que j'ai l'oreille musicale. Et ceux qui me connaissent savent que quand je dis que c'est bon, c'est bon. Ils ont chanté, ne pas fait que chanter bien, ils ont aussi chanté fort. Oui. Parce que eux, ils ont osé dire haut et fort ce que beaucoup ont pensé très bas. Voilà pourquoi nous devons tout simplement nous procurer, c'est-à-dire dans chaque foyer, chacun doit avoir son album Héritage, qui est un album très fort. Monsieur Guy Olivier, on reprend encore le même morceau. Écoutez, magnifique. Non, pas celui-là, l'héritage. Ceux qui veulent l'écouter, l'album, voilà, c'est pour trouver. Mais seulement l'héritage, chose héritage. Bon, ça, c'est un des morceaux moi, que je me suis procuré le CD. Hein. Et mon ami Gay Olivier de Guyade, de Sergi, le président des Ivoiriens de Sergi, s'est procuré aussi. Et lui, il a exagéré la prise jusqu'à 5. 5 titres. Et 5 CD. Un pour lui, un pour sa femme. Et un pour ses trois enfants. Ouais, chacun a pour lui. Voilà. Excusez-moi. Olivier, c'est héritage. Tu dis héritage. Quand on a mené dans l'ancienne, notre album là, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans de pouvoir avec tellement de chanteurs et fort. Mais héritage, ça sera assuré. Yodé et Siro, l'album est aujourd'hui. L'album est sorti aujourd'hui, le vendredi 3 juillet 2020. Il est vendu à la FNAC et La Défense. Il est vendu aussi à la FNAC de Gare de l'Est. Et je vous ai dit certaines personnes à qui vous pouvez les avoir. C'est ceux-là et personne d'autre jusqu'à aujourd'hui. Et après, peut-être que tout sera fait de façon élargie. Et voilà un peu. Donc Yodé et Siro, album Héritage, 13 titres, Opération 10 d'or, car ils le méritent. Eux au moins, ils ont pu chanter haut et fort ce que le peuple pensait bas. Contrairement à certaines personnes, excepté les artistes
qui sont exilés. Voilà. Donc, monsieur le parent, tu me regardes, chez toi à Londres, et c'est le monsieur Brené Jeannot pour te procurer ça. Mouna Diabaté, toi, tu me regardes, si tu es à Paris, essaye de voir tout à l'heure les numéros des gens que j'ai dit, les Kamamiyo et autres, Marius Daudin et autres. Sinon, Londres, c'est bon, tout est énuméré, ça marche. Ma petite Lily Maya, pour l'album, vous savez ce qu'il faut voir, ou simplement vous rentrez dans mon inbox. Vous êtes sur mon mur, je vais vous donner les numéros et les personnes que vous allez aller voir. Et s'il faut même que je laisse des consignes directes pour qu'ils aillent vous le livrer à la maison, je le ferai parce que cet album, il faut l'avoir, car cet album, c'est notre héritage. Merci à Yodé et Siro, Fatman Fofana, bisous aussi à toi, Thierry Sampaio. Thierry Sampaio, ah, l'album est sorti, hein, donc voilà ça. Donc toi, si tu peux entrer, bon, Sampaio, tu as mon numéro direct, tu peux m'appeler. Et puis voilà quoi, on gère ça. Ok, le parrain sans faute, ça marche. Brené Jeannot, c'est ton gars. Donc, c'est de le voir. NC Church, le tueur de taureau est là. Et c'est tout ça. Voilà, sorti ce matin pour tuer le taureau. Et le taureau est tout simplement l'album Héritage de Yodé et Siro. Dis à ton artiste Lino Versace aussi qui se profite de l'album. Car ce sera un soutien artistique. Et en plus de cela, la Côte d'Ivoire est sa patrie. Et sa patrie a sorti, lui donne son héritage, qui est l'album. Sylvain de Garcia, saluté à toi, Mataba. Je pense que je vais mettre fin à cette vidéo. Parce que je dois aller m'enrôler. Voilà, parce que après aussi, si vous êtes ivoirien, vous avez un devoir civique. Le devoir civique, c'est d'aller s'enrôler. Ne vous dites pas que non. Je dois boycotter tel et tel par rapport à ça, je ne m'enrôle pas. Non. Quand tu veux boycotter, cette façon de boycotter, c'est de voter contre. Voilà pourquoi vous devez tous vous enrôler. Voilà. Ils ont reporté la date des enrôlements pour que vous ayez tous le temps de le faire. Et faites-le, car moi, d'ici là, dès que je raccroche avec vous, je vais m'enrôler, car il faut que aussi je remplisse mon devoir civique bientôt. Allez, bonne journée à tous, dans la bénédiction de Dieu. Et que Allah, le bon Dieu, ose se montrer. Ceux qui vont à la prière, allez prier. Ceux qui vont à l'église, allez à l'église. Et on se dit à très bientôt. Merci.